Salut les nerfeurs et les nerfeuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du nerf Modulus Recon MK2. Donc c'est parti. Donc pour commencer dans la boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien évidemment le blaster, un chargeur de 6 et 6 fléchettes Modulus. Donc pour commencer on va faire le tour de l'appareil. Donc nous y retrouvons un rail tactique sur le dessus, un sur le côté et il n'y en a pas d'autre. En attache-angle, on en a un ici. Un 800, à la rigueur, on peut s'en servir comme attache-angle. Et c'est tout. Donc là, c'est pas mal, hein. Celui-là, c'est déjà cool. Question prise en main. Bah, ma foi, ça va plutôt bien. Parce qu'on a vraiment connu le pire, par exemple, sur le Modulus ECS10, le tout premier Modulus. La poignée était pas terrible. Et ça grinçait partout. Mais celui-là, ça va plutôt bien. Voilà. On a également une attache cross. Une attache rallonge de canon. Donc esthétiquement, moi personnellement, c'est pas mal, j'aime bien. Mais on connaît tous, bien évidemment, à moins que vous découvriez les nerfs, que ce blaster-là, il a un gros problème, c'est avec la compatibilité des chargeurs, qu'on verra justement juste après. Et à mon avis, de mes souvenirs, il n'y a pas grand chargeur qui passe. Mais bon, on verra, j'ai préparé les chargeurs à côté, donc on verra bien quel chargeur passe. Donc pour utiliser ce blaster là, ben c'est comme le rétaliator, on ramène, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de culasse vers l'arrière. Le petit bouton là qu'on tire vers l'arrière pour laisser tomber le chargeur. Et en même temps, du coup j'en profite qu'on ait la culasse à l'arrière, on a également la trappe de désoreillement qui est visible. Donc ensuite pour charger, pour charger en fléchette, ben c'est pas compliqué. Hein. On prend des petites fléchettes, clac. De préférence à le mettre dans le bon sens, parce que j'en ai vu, il y en a certains, ils ont essayé de les mettre dans l'autre sens. Je vais bien imaginer que bah, ils n'ont pas tiré grand chose. Donc comme c'est du élite, comme c'est de la fléchette élite, bah on peut mettre de la fléchette élite, Doomland, Rebelle, tout ce qui s'ensuit dans ce blaster là. Hop là, on ramène ça là-dedans et on est prêt à tirer. Bon, ça a quand même relativement une bonne patate. Ça a une bonne patate. Déjà plus de fléchettes. Ah, un petit problème de fléchettes. Bon, elle n'a pas l'air d'être sensationnelle celle-là. Voilà, donc maintenant on sait, on a vu à quoi servait la trappe de désoreillement. La dernière fléchette. Oh, ça va, ça va. Donc ouais, donc ça a l'air de plutôt bien tirer. Donc maintenant on va voir la compatibilité des chargeurs. Donc chargeur de 6, ça marche. Donc ceux qui vont marcher, je vais mettre derrière moi. Donc, on va voir lesquels marchent. Donc on va faire un chargeur de 10. Le chargeur de 10, ça va, ça rentre bien, ça tire bien. Chargeur de 12 qui n'est pas de chez Nerf mais conçu pour, ça marche très bien. Chargeur de 12 de chez Nerf, ça marche très bien également. Chargeur de 10 bananes. Donc là, à mon avis, on va commencer à avoir des petits problèmes. Chargeur de 10 bananes, ça rentre pas à cause de ça. Donc celui-là, il fonctionne pas. Chargeur de 10 de Lascar Fortnite. Donc voilà, ça rentre pas à cause de ça. Il est bien trop haut. Et du coup, ça bloque. Donc chargeur de Lascar, on peut pas non plus. Le chargeur de 12 du double dealer. Bon, il ne fonctionne pas non plus. Le chargeur de 18 fonctionne pas non plus. Drum de 25 fonctionne pas non plus. Et chargeur de. Et le drum de 35 si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça. Ah non, drum de 30. Oh! Et bah ma foi ça a l'air plutôt bien marché. Bon. Ouais non, une fois qu'on réarme le chargeur tombe. Donc le drum de 35 on oublie. Donc ouais, donc à mon avis, je pense que tous les drums du coup ne passent pas. Et du coup les seuls chargeurs qui passent. Chargeur de 6. Chargeur de 12.
et les chargeurs de 10. Donc que des chargeurs comme ça qui passent. C'est un peu dommage que voilà, chargeurs de 18 qui passent pas, les drones, tout ça, c'est quand même un peu embêtant que ça passe pas. Parce que mine de rien, il y a quand même un paquet de fléchettes. Donc ouais, donc c'est dommage, il y a vraiment pas beaucoup de chargeurs qui passent là-dedans. Mais bon, ça maintenant c'est bien connu. On va remettre le chargeur d'origine. Donc ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage que du coup il y a tout plein de chargeurs qui passent pas du tout dedans. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais je pense que c'est à cause de ce truc là. Je pense que de toute façon, même si ça n'aurait pas été là, ça aurait peut-être pas trop impacté sur l'esthétique. Et du coup, je pense que la plupart des chargeurs auraient pu passer, sauf le chargeur de l'ASCAR qui bute carrément au niveau de l'entrée des chargeurs. Mais bon, on aurait au moins pu mettre les drums et les chargeurs de 18. Mais bon, c'est dommage. Donc là, maintenant, on va voir ce que ça vaut en test de tir. Et bah, c'est parti. Ok, donc là, on se retrouve pour le test de tir du Nerf Modulus Recon MK2. Donc dans l'allée là, c'est parti. Bon, j'enlève l'embout de canon histoire que ça soit au max des performances. Elle est loin celle-là. Hop là. Il n'y en a plus. Ouais. Ok. Donc là, j'allais voir si les fléchettes sont allées. Je vous dis ça tout de suite. Ok, donc les fléchettes, elles sont allées de 7 à 14 mètres. Mais je crois que la 7, celle de la 7 mètres, elle était vraiment pourrie. Mais sinon, dans la globalité, c'était sur une dizaine de mètres. Ça commençait de 9 à 9 mètres. Mais la plupart des fléchettes étaient à 10 mètres. Donc là, on va passer au test de précision sur les cibles qu'il y a là. C'est parti. Genre comme ça, c'est plus simple. Ah. Pas fou. Première cible, ok. Je sais pas, il y a des. C'est bizarre quand on tire, c'est pas comme d'habitude. Ouais. Oh, ouf, hein. Ok, donc question performance du blaster. Donc on voit qu'il y a quand même une assez bonne distance. Bon, la précision, si on veut de la précision, on met de la Q-Strike. Voilà, s'il y avait de la Q-Strike, ça serait bien passé. Mais le gros point négatif sur ce blaster là, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est la capacité. Enfin, c'est pas la capacité, c'est la. J'en perds mes mots. C'est la compatibilité des chargeurs, voilà. Et ouais, ça, c'est vraiment le gros point noir sur ce blaster là. Parce que c'est dommage parce qu'en soi, il tire relativement bien. C'est vraiment juste ce gros problème là de chargeur, quoi. C'est vraiment ça qui gâche un peu le truc. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est... Mais je pense que vraiment, il y aurait eu ça en moins, ça aurait pas trop impacté sur le look du blaster. Et en plus, on aurait pu y mettre tous les chargeurs qu'on veut. Bon, sauf celui de la Scar Fortnite. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà, voilà. Donc si, ce n'est... Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous mets mon compte Instagram en description. Et je n'aurai plus qu'une seule chose à vous dire, et oui, qu'une seule. Allez, ciao les nerfeurs.